Rome assiège Syracuse. Du coup, certains hommes d'affaires ne dorment pas des deux oreilles. Ne viennent pas du bachotage. Cette incapacité de la langue à produire un raisonnement rigoureux et synthétique. Sans équation différentielle et en physique, on serait triste. C'est parce que vos oreilles, comme les séries de Fourier, sont sensibles aux fréquences. Vous êtes un hacker qui ne connaîtrait que la serrure aura bien du mal à trouver les clés. Pi est universel. Si elle est suffisamment farfelue pour avoir une chance d'être correct. Ça fait des choses très jolies d'un point de vue abstrait, mais en plus ça sert vachement dans la vie de tous les jours en fait. Et ça c'est intéressant. Al-Khwarizmi est le symbole de l'âge d'or de l'islam. Ça peut sembler réducteur, mais en fait, c'est terriblement puissant. Elle représente une énorme révolution conceptuelle et philosophique. Eh, mais ce problème-là que j'avais il y a une demi-heure et qui est totalement pas lié à ce que je fais actuellement, mais c'est bon, j'ai une idée. Eureka ! Bien plus que l'âge de l'univers. J'ai découvert une merveilleuse démonstration. Tada ! Exactement de la même façon que le zéro de la fonction zeta de Riemann. Il avait unifié la géométrie et l'algèbre. Notre problème de pomme n'est pas un problème de pomme. Les H est une espèce de matrice infinie. Ceci a des implications philosophiques profondes. Nos tissus, nos corps, nos cerveaux. La magie de l'algèbre.